Amis viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur State of Decay avec le mode Lifeline Breakdown. Donc nous avons investi cette base qui est juste énorme. Elle est juste énorme. C'est énorme. Comme non, c'est énorme, c'est tout. Ne faisons pas de comparaison graveleuse, ce serait malvenu. Nous avons un jeune public, vous savez, donc pas de point de divergence. On va essayer de monter notre skill de ninja. Je sais pas si c'est possible. Ce serait marrant. Devenir le ninja le plus puissant que cette terre ait porté. Je vais me la jouer Naruto. Naruto, c'est un ninja, non? Je connais pas Naruto. Dites-moi dans les commentaires si Naruto c'est un ninja. Je suis sûr que c'est un ninja. On peut le considérer comme un ninja, je pense. Si, c'est un ninja. Je vais déjà voir tout de suite. Ouais, non, ça a pas l'air d'augmenter ça. Bon, c'est pas grave, on va lui monter cardio et combat, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire pour la simulation de ninja. Allez, fouille. Coming in with a full pack. Roger that. We'll be waiting. J'ai pas de voiture en fait. I need a breather. Ouais, tais-toi. Allez, monte. On va avancer le... Ah bah il a... D'accord. Bah du coup j'ai livré la bouffe direct quoi. C'est pas plus mal. Et je suis pas sûr d'avoir faim en fait. J'ai surtout besoin de matériaux de construction. Hello, bijoux. C'est tonton Krug. Oh la vache, je peux faire une fouille rapide vu que je suis ninja. Regardez. Fouille rapide, mais en fait, ça prend pas de... Je fais pas de bruit. Le skill de ninja fait que tu fais pas de bruit en fouille rapide, c'est énorme. La vitesse à laquelle tu fouilles un truc. Bon, le problème, c'est que à chaque fois que je fouille, y a rien dedans. Alors fouiller vite pour rien ressortir, c'est pas très intéressant quoi. Wesh gros. Y a pas d'armes de G genre, ouais non y a pas. Des étoiles de ninja, des conneries comme ça, ce serait rigolo. La blinde de zombies droit derrière moi. Je vois rien. Oh, les fenêtres commencent à casser, peut-être qu'il y a quelqu'un quand même finalement. Ouais, enfin, c'est gentil, mais... Ok, la station-service a été totalement vidée. C'est cool. C'est très bien. Est-ce que je ferai pas un avant-poste, d'ailleurs? Oh, comme ça on va sécuriser la... C'est bien ça, on sécurise la zone autour de la maison. Très bien. Hé, ta mère toi, fous-moi la paix. Elle était en train de... Eh non mais oh. Au KLM lui hein.
Il enjambe le grillage alors qu'il y a des barbelés. Normalement, il devrait souffrir un petit peu de la barbulitude. C'est vrai quoi, merde. Oh lâche. On n'a rien découvert, mais putain. Oui, matériaux de construction, ça c'est bon, ça c'est Noël, ça. Et puis après, il va falloir que je donne un peu de repos à mon ninja, malheureusement. Je l'aime bien, mon ninja, moi. Je voulais pas changer de personnage. Ok, nickel. Le pauvre ninja de merde, là. Tu cours 2 km, ça y est, t'es mort, t'en peux plus. Par contre, il est gentil ninja, mais il est un petit peu chouin-chouin quand même tout le temps. Hein. Ok, génial. Bon, du coup... Ah, du coup, je peux construire tout ce que je veux, mais je sais toujours pas quoi faire. Lit 8, population 13. Faut qu'on fasse une deuxième chambre obligatoirement. Donc, c'est vrai, c'est. Y a pas trop le choix, quoi. Je veux dire. Ça, c'est une certitude. Voilà. La chambre est faite. Ensuite, je ferai bien un carré potager. Ça nous donnera de la nourriture tous les jours et ça, bah... Ok. Oh putain! Bah oui, j'ai pas fait de tourelle. Oh, peu cher. Ok. Ah bah oui, ça c'était un peu... Oui, bah oui, Krug alors! Bah non, mais sérieux. Allez, on va changer de personnage. On va laisser un peu... On va le laisser se reposer un peu, c'est quoi ça? Rylan Level, regardez, on dirait les mêmes. Dos fragile, mécanicien. Ouais, mécanicien, on va le laisser à la maison. Psychopathe, ça me plaît ça. Ouais. Ben allez. Trait de caractère, psychopathe, c'est plutôt cool, non? Combat présence. Il a pas de. Oh. Il a pas de compétences personnelles. C'est dommage. Bon, tout ça, ça se construit. C'est quoi ça? Quelqu'un a besoin de parler. Eh, on lui a déjà. Bah, attends, on a déjà été faire un tour en voiture avec toi il y a pas longtemps. Ouais, bah laisse tomber, lui il va nous lâcher rapidement, je pense. So, things have been pretty tense around here, huh? Suppose so. Some folks are kind of worried about you. You okay? Je suis quasiment sûr qu'on a déjà fait une balade avec lui. C'est loin ou pas? Quand même. Hein. Faut que je ramène des bagnoles à la base parce que là on en a vraiment pas beaucoup quand même. Oui, s'il y a des munitions, il faudra qu'on le fasse aussi. De toute façon, théoriquement, il faut vider toute la ville, quoi. Rien ne doit rester... Je trouve pas le mot. Il faut fouiller tout, quoi. Je sais pas, j'étais parti sur intact, mais c'est pas ça. Intouché. Un touché, ça se dit pas non plus. Un tax. Ah, je sais pas, je trouve pas le mot. Il y a un mot qui... Il est au fond de ma tête, mais il n'arrive pas à sortir. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, je le trouverai, je le lâcherai comme ça.
break it, fucking skull. Par contre, est-ce que c'est bien normal d'avoir un survivant avec le trait de caractère psychopathe? Est-ce que je devrais pas m'en débarrasser en fait? Je sais pas si c'est géré ce genre de truc dans le jeu. Le fait d'avoir un psychopathe dans la bande. Allez. I expected the universe to shit on us. Ah non, qu'est-ce qu'il y a de beau dans la chambre à coucher de madame? Non, c'est un bureau ça en fait. Ah non, c'est une chambre. Chambre d'enfant peut-être. I'm already loaded down. Allez, trouve-moi des trucs sympas là. Il faut des matériaux de construction pour faire ma tour de garde. Mais comment est-ce que j'ai pu oublier de faire une tour de garde, sérieux? Bon après, il faut que j'arrête de me prendre la tête. Hein. Je vais envoyer les pilleurs. Attends, j'ai 13 gars quand même. Hein. Ah oui. Voilà, j'ai tagué les ressources. Je vais prendre mes pilleurs et puis ils vont venir chercher le marteau aussi. Some supplies. Send runners for pickup. They'll be on their way soon. We're clear. Revenir à la base. Okay. Il faut qu'on ramène l'autre dépressif là. Shit, bah ouais, t'as été très con. Ah, je suis habitué à faire shift E quand j'ai mon ninja et là j'ai fait le con. Déverrouiller le mort. J'ai déverrouillé un succès, c'est formidable. Non, blague à part, c'est cool. Ça va faire monter mon score de breakdown. Comment tu t'es fait intercepter, toi? Oh là là. Est-ce qu'on se repart un avant-poste ici aussi? Ah, ça y est, je suis parti, je vais avant-poster toute la ville, en fait. Ça se dit pas avant-poster la ville. C'est con. Il est déjà fatigué, lui. Attends, tu te fous de ma gueule. J'ai vidé deux maisons, quoi. Pas appeler les pilleurs quand je veux, d'accord. Ouf. Break its fucking skull. On a un pilleur qui est dans la maison d'en face, normalement. Là-bas, il reste des provisions tout au fond à droite, normalement. Des provisions de bûches.
C'est ça. Il ne reste rien. Impeccable. Et... c'est sécurisé ou pas, là? Eh oui, vas-y. Ok, impeccable. Alors... donc là, faudrait un outpost ici. Et puis un là. C'est ça, on va faire ça. Ah non, mais je blinde la maison, moi, rien à foutre. Listen, whatever the problem is, you need to knock that shit off. You're starting to freak out the others. Is that why you wanted this bit of quality time? Je vais déposer le gars à la maison. Take it out on the Zeds, not the rest of us. Allez, rentre chez toi. Non, tu veux pas rentrer? Ok, je m'en fous. Ah, mais ça sert à rien de m'énerver. Je pourrais pas refaire un avant-poste tout de suite. Elena est triste. Qu'est-ce qui t'arrive, Elena? C'est elle? Oui. Je vais aller voir Elena, on va l'aider à faire sa mission, elle sera peut-être contente. Parce que là, elle est triste. J'aime pas que les femmes soient tristes. Si elle est trop triste, il faudra qu'on lui foute une tarte dans sa gueule, toi. Ah oh bon, elle finit. Impeccable. Ok, donc du coup, on va aller voir le survivant qui est là-bas. En plus, je crois qu'on avait dit qu'on ferait un avant-poste là-bas, donc très bien. Ah bah. Oula. Oh putain. Oh le redneck. Alcoolique sportif du dimanche. Monsieur formidable. On va récupérer un alcoolique pour notre colonie. Oh putain. Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll be ready. Comment il s'appelle notre nouveau copain? Ça va être mon nouveau mec préféré, ou ouais, un alcoolique sportif du dimanche, je veux dire. Voilà, que demande le peuple? If you ignore the rampant destruction and flesh eating dead people, you know, this place is kind of quaint. I'm not even from here, you know. I should have been on a flight to visit my folks, but oh là. Mom, she's got this medical marijuana prescription, right? Oh, la sale gueule qu'il a, putain. The dispensary she uses gets raided a week before my trip. Anyway, she asks me to bring her some sort of product, so I have to drive instead. And the car breaks down just outside of Trumbull, and this was the cheapest place at the tow truck. How's it going? Lots of Zeds right behind me. I should have told that guy to haul my ass to a city. You got it from here? Okay, that's all we needed. We got Zeds at 9 o'clock. Oh, la dégaine du truc. Ah non, c'est horrible, je vous jure. On peut pas faire ça. On dit pimps. Je vais voir un peu les stats du bétail. Ah merde, je suis malade moi. Il est où Andy? Caractère fait confiance. Il a une béquille, pas d'arme à distance, alcoolique. Écoute bien, j'ai pas touché une goutte de. Je sais pas quand. Buvez beaucoup. D'accord. On se fait un beer pong. C'est grâce à vos légendaires exploits que c'est sûr. D'accord, sportif du dimanche. D'accord.
more out. Vous êtes sérieux? Compétence perso là. Non mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de quiz de sport en compétence? Ah bah gars, non, tout le monde peut devenir ninja en fait. Oh, c'est dommage, je pensais que c'était vraiment une compétence personnelle. Bon, eh, présence d'esprit à fond, combat à fond. Beer pong. Les adversaires sont ivres 20% plus vite au beer pong. Consommer de la bière 25% plus... Mais qu'est-ce que... Nécessite une bière très alcoolisée, requiert un keg stand. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, je connais pas. Merde, j'ai pas de sac à dos. Conseil, établir plus d'avant-postes, ouais, bien sûr. Mais je vais en faire, t'inquiète pas, mon ami. Alors, il me faut un sac à dos, merci. Et ça, c'est quoi, là? Bombe incendiaire chimique. On va les déposer, si ça te dérange pas. Merci. Ok, amis viewers, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est un gros pouce bleu pour notre nouvelle recrue. Parce que je crois qu'il le mérite. Allez, des bisous, on se revoit demain. Ciao, ciao.